Prière pour débloquer toute situation. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bras tout-puissant de Jésus, je me présente devant toi avec toute ma foi, en implorant ton réconfort dans ma situation difficile. Ne m'abandonne pas, doux Jésus. Ouvre les portes sur mon chemin afin que tes bras tout-puissants s'ouvrent et referment comme il te plaira, de me donner la tranquillité que je désire. Faire ici votre demande. Ô mon Dieu, reçois les suppliques d'un cœur blessé qui se bat toujours pour toi. Que ton pouvoir ne me laisse jamais succomber par manque de secours. Tout-puissant Jésus, aide-moi à trouver un refuge dans ton royaume céleste pour toujours. Jésus, aide-moi dans les moments difficiles. Laisse-moi venir vers toi avec confiance et humilité en disant « Jésus, aide-moi » dans les moments de doute, de perplexité et de tentation. Jésus, aide-moi dans les moments de solitude, de lassitude et d'épreuve. Jésus, aide-moi en cas d'échec de mes projets et de mes expériences, dans mes déceptions, mes problèmes et peines. Jésus, aide-moi lorsque les autres me laissent tomber et que seule ta grâce peut m'assister. Jésus, aide-moi lorsque je me précipite vers ton tendre amour de Père et de Sauveur. Jésus, aide-moi lorsque mon cœur est découragé par l'échec et que je constate que mes efforts sont vains. Jésus, aide-moi lorsque je deviens impatient et que ma croix m'irrite. Jésus, aide-moi lorsque je suis souffrant et que ma tête et mes mains ne peuvent plus travailler et que je me sens seul. Jésus, aide-moi toujours, toujours malgré les faiblesses, les chutes et les défauts de toutes sortes. Jésus, aide-moi et ne m'abandonne jamais. Seigneur, écoute mon appel. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Seigneur Jésus, comment pourrais-je bien prier quand le mal m'écrase et que je n'en peux plus? Toi qui as connu le creux de la souffrance, toi qui es passé par là, aujourd'hui, sois avec moi. Toi qui as fait face jusqu'au bout, aide-moi à tenir bon. Toi qui es vivant, viens prier en moi par ton Esprit Saint. Et pendant que je traverse l'épreuve, fais passer en moi le souffle de ta résurrection. Amen, amen, amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce,
Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.